Mais. Lol. Bonjour, salut à toi, Nelvis. Oh oh, folie arcadienne. Je suis déjà en top 30. Nice! Sur Sanok, je vais clairement. Je vais clairement faire ma Jules Zoolander. Voilà ce soir ce que vous allez voir sur mon écran sur Sanok. Salut! C'est moi, je suis caché. Y'a pas moyen de voir si c'est bien caché ça? Ou comme ça? De loin, ce buisson n'existe pas. Oui. À partir du moment où t'as pris des dégâts et que tu joues sans boost, là, ça devient déjà compliqué, tu vois. Tu commences ta game avec un quart HP en moins. Là, je commence n'importe quel fight avec un quart HP en moins. Là, ça complique un petit peu le truc. Ok. Tu peux nous expliquer en quoi consiste le tournoi de ce soir? Alors, en fait, le tournoi de ce soir, c'est Zerator, donc l'un ou voire le plus gros streamer français qui organise un tournoi inter-streamer. Donc, c'est le FFS, donc ça veut dire le Fight for Sub. Donc. En gros, il prend 99 streamers qui se sont inscrits, qui ont un certain nombre de followers, un certain nombre de vues. Et c'est un tournoi sur 4 games en mode solo. Et donc les joueurs qui ont fait partie des structures professionnelles ou qui ont énormément joué au jeu sont handicapés par rapport aux autres qui n'ont pas beaucoup joué au jeu. Le but est tout simplement de faire le plus de points possible sur les 4 games. Et à la fin, celui qui aura fait le plus de points gagne un host de Zerator avec Zerator qui s'abonne à sa chaîne. Et tous les participants doivent s'abonner aussi à sa chaîne en live devant tous les viewers. Donc en gros, bah, tu gagnes beaucoup de visibilité, beaucoup de subs. C'est tout bénef, c'est... Voilà, c'est un tournoi bah, sans argent, mais avec quand même quelque chose à la clé d'intéressant. J'espère avoir été clair. Puis au final, quand même, sans sub, c'est quand même, ça rapporte quand même un petit pécule. Un petit pécule bien sympathique.